Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agnès Duvachat, historienne de l'art et professeure de philosophie. Et ce soir, je vous convie à un voyage dans le sud de l'Espagne à la découverte des jardins de l'Alhambra à Grenade, qui sont des jardins auxquels j'ai consacré un travail de doctorat effectué en partie à Madrid et à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Doctorat qui portait sur l'imaginaire des jardins et des paysages d'Espagne dans les récits des voyageurs français depuis le XVIIe siècle. Donc il va être question de jardin, d'orientalisme, de dépaysement et de voyage. Actuellement, alors qu'il est interdit, qu'il n'est pas possible en tout cas de voyager hors des frontières. Ce voyage va nous faire remonter le cours du temps, le cours de l'histoire. Mon propos s'organisera en trois parties. D'abord, une introduction historique. Ensuite, nous déambulerons à l'intérieur du palais de l'Alhambra, qui comporte plusieurs cours jardinées. Ce sont des jardins intérieurs, des jardins de palais, ce que le mot espagnol patio transmet. Et puis enfin, nous terminons notre promenade dans les allées du Généralife, le jardin du Généralife, qui se trouve sur la colline, en face de la colline de l'Alhambra, toujours à Grenade. C'est un jardin en terrasse. Vous avez ici une vue extérieure de ce jardin sur cette colline, très verdoyante, très exubérante. C'est peut-être pas forcément la première image qui s'impose à nous quand on pense au jardin hispano-mauresque. Alors, l'Andalousie, la région la plus au sud de l'Espagne, région qui fut pendant presque 8 siècles au Moyen-Âge, le siège de royaumes arabes. Bien que ce soit d'abord des conquérants berbères qui sont venus d'Afrique du Nord, qui ont traversé le détroit de Gibraltar en 711, ce sont eux qui parviennent à s'implanter en Espagne. L'Espagne est alors sous domination des Visigoths, mais l'empire visigothique est déjà en déclin. Les troupes du général berbère Tariq ibn Ziyad, qui donnera son nom d'ailleurs au détroit de Gibraltar, Djebel Tariq. Elles franchissent la Méditerranée, s'installent dans le sud de l'Espagne et progressent rapidement vers le nord, ce qui fait qu'elles parviennent à conquérir une bonne partie du territoire. Le pouvoir wisigothique, qui était déjà sur le déclin, vacille. Nous sommes alors dans les années 720. Et à ces premiers conquérants berbères vont venir s'adjoindre plus tard, à partir de 725-730, des renforts arabes qui viennent du Moyen-Orient, plus précisément de la région de Damas, où se trouvait une dynastie, la dynastie des Omeyyades, qui a été renversée par leurs ennemis abbassides. Et donc un survivant de ce massacre des Omeyyades par les Abbassides à Damas parvient à quitter la Syrie, à gagner l'Andalousie et à fonder ce qui n'est d'abord qu'un émirat, l'émirat de Cordoue, émirat Omeyyade, qui dépend au départ de Damas. Et puis ensuite, ses successeurs ont assez de pouvoir et de légitimité pour se proclamer le califat de Cordoue. C'est ce que fait Abdelrahman III en 929, califat de Cordoue qui dure une centaine d'années. Voilà, donc j'ai indiqué sur cette diapositive la succession des quatre dynasties principales qui ont régné dans le sud de l'Espagne au Moyen Âge, ces terres qu'ils ont appelées Al-Andalus, qui a donné ensuite le mot Andalousie. Donc le califat omeyyade, avec Cordoue comme capitale, puis une période de troubles qu'on appelle les royaumes taïfa, au cours de laquelle il n'y a pas de pouvoir hégémonique qui parvient à s'imposer. Suite à cela, les Andalous font appel à une puissance politique qui a émergé de l'autre côté de la Méditerranée, les Almoravides, puis les Almohades. Les Almohades établiront leur capitale à Marrakech, d'une part, et à Séville, d'autre part. Puis enfin, la dernière dynastie à régner en Andalousie, ce sont les émirs Nasrides de Grenade,
de 1234 à 1492, date qui est celle de la chute de Grenade, chute du dernier bastion arabo-musulman du sud de l'Espagne, aux mains des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Vous avez là une reproduction, enfin un tableau qui représente cet épisode resté célèbre et en tout cas devenu légendaire de l'adieu du roi Boabdil, le dernier émir nasrite de Grenade, qui se retourne et qui jette un regard sur la ville, ville dont il a dû remettre les clés au souverain catholique le 2 janvier 1492, après un siège de 6 mois dans la plaine de Santa Fe, au pied de la citadelle de Grenade. Toujours dans cette introduction historique, pour vous montrer quelques images de ces jardins arabo-andalous, pour vous montrer aussi la diversité des formes qu'ils peuvent prendre, l'un des plus anciens exemples de ces jardins, c'est celui qui se trouve à l'intérieur de la cour de la mosquée de Cordoue. Nous sommes à l'époque des Omeyyades au 9e siècle, la cour des Orangers, El Patio de los Naranjos. Finalement, c'est l'un des plus anciens, voire peut-être le plus ancien jardin d'Europe, puisqu'il n'a cessé depuis le 9e siècle d'être cultivé, d'être entretenu, d'être utilisé comme un jardin, même si bien sûr ici il ne s'agit pas d'un jardin de plaisance ou d'agrément, mais d'un jardin aussi qui était destiné, en tout cas dont la végétation était destinée à accueillir les fidèles, hein, et à la protéger des ardeurs du soleil pendant la prière. Vous voyez sur l'image des orangers qui sont attestés depuis le 9e siècle. Les documents d'archives nous indiquent que les palmiers, les cyprès, que vous distinguez également, ont été introduits plus tard, hein, au contexte catholique, à partir du XVIe siècle. Notre image de ce même patio, jardin, qui est entouré de galeries sur trois côtés, donc toujours un jardin intérieur, une cour jardinée, dont le sol est traité avec un pavement de pierres géométriques, hein, qu'on appelle empedrados en espagnol. D'autres jardins restés célèbres à l'époque du califat de Cordoue, ce sont les jardins qui se trouvaient dans la ville de Medinat al-Zahra. Medinat, ça veut dire la ville en arabe, la ville de Zahra ou la ville étincelante, la ville lumineuse. Ce fut la grande affaire du calife Abdelrahman III qui décida de bâtir une ville palatiale complètement neuve, complètement ex nihilo. Il n'a pas réemployé un site de peuplement déjà urbanisé. Il construit ce grand chantier qui devait être somptueux avec des colonnes de marbre, du marbre rose, du marbre blanc, de Carthage, du marbre vert, d'Almeria. Voilà, tout cela a été détruit à la chute du califat de Cordoue, mais on sait qu'il y avait des grands jardins, jardins publics en fait, hein, qui servaient de lieu de détente aux habitants de cette ville. Medinat al-Zahra a comporté jusqu'à 20 000 habitants à son apogée. À l'époque, c'était beaucoup. Ça fait de Medinat al-Zahra la ville la plus peuplée de tout l'arc méditerranéen de 936 à 951. 951 qui correspond à la date de la fondation du Caire, qui devient à son tour la ville la plus importante en Méditerranée. Si on progresse dans le temps, hein, et juste à grands traits et à grandes enjambées, au XIIe siècle, donc la nouvelle puissance qui gouverne l'Andalousie, mais aussi l'Afrique du Nord, c'est l'Empire almohade. Hein, les Almohades qui ont fondé Marrakech au XIe siècle, qui ont d'ailleurs doté cette ville de grands jardins, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Là, ce sont plus des jardins de plaisance, ce sont vraiment des jardins productifs, des grands vergers de rapport, le verger de l'Agdal, l'oliveraie de la Ménara, dont vous avez une image ici, des grands espaces cultivés, périurbains, situés à la frontière des villes, et voilà, verger de rapport avec une dimension utilitaire ou productive importante. Mais c'est une forme aussi qui s'impose au XIIe siècle. Toujours d'époque almohade, le palais de l'Alcazar à Séville a conservé un patio, une cour jardinée, patio d'Alieso, qui elle est encore d'époque almohade, alors que tout le reste du palais a été remodelé plus tard en contexte chrétien. Et cette image, c'est aussi un peu la quintessence de ce jardin arabo-andalou
un jardin intime, petit, protégé du reste du palais, protégé des bruits de la ville, de la circulation. Un jardin dans lequel l'eau occupe une dimension importante. Là, vous voyez le bassin, il est au centre, il occupe quasiment tout l'espace de la cour. Un jardin géométrique, structuré par des plantations en haies ou en bordure. La création de ces jardins de palais n'aurait pas été possible sans la maîtrise des techniques hydrauliques, des techniques horticoles, qui ont été finalement importées du Moyen-Orient par les populations arabes et berbères qui s'implantent en Andalousie, et ce qui a permis de modifier considérablement la physionomie du territoire de l'Andalousie, au point que les historiens parlent d'une révolution agricole qui se serait étendue à peu près du 9e ou 12e siècle. Et qui consistent en techniques d'irrigation qui permettent d'augmenter la production agricole en termes de quantité et aussi en termes de variété, d'introduire de nouvelles cultures qui n'étaient pas traditionnellement cultivées sur le pourtour méditerranéen, mais qui sont introduites par les agronomes arabes dans le sud de l'Espagne au Moyen Âge. Et donc ces techniques horticoles et agricoles vont trouver une application bien sûr dans le domaine vivrier, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi elles vont rendre possible la création des jardins de plaisance. Ce sont les mêmes techniques finalement qui sont au service des champs, au service du paysage productif et au service du jardin d'agrément. Les techniques hydrauliques, ce sont surtout ce qui consiste en roues qui vont puiser l'eau, des roues, des norias, des moulins. Des machines en tout cas qui servent à élever l'eau pour la mener ensuite dans un canal, dans une rigole, dans un bassin, d'où elle sera ensuite répartie sur l'espace qu'il y a à irriguer ou à arroser. Technique de d'élévation de l'eau. Ici, vous avez une image d'un moulin d'Albolafia avec une grande noria, une grande roue qui se trouve sur le Guadalquivir, qui date d'époque, sur le fleuve Guadalquivir, qui date d'époque. Du Moyen-Âge, mais qui a été restauré depuis, bien sûr. Voilà, cette maîtrise de la ressource en eau permet aussi d'acclimater des végétaux qui ne sont pas du tout originaires de la Méditerranée. Je pense notamment à toute la famille des agrumes, des citrus, qui viennent de l'Asie des moussons, et donc qui vont être acclimatés en Méditerranée, dans ce climat aride ou semi-aride de la Méditerranée. Et c'est une véritable prouesse, un véritable défi de la part des agronomes arabes du Moyen Âge. Le grenadier aussi, hein, qui est introduit à cette époque. Tout ça nous est raconté dans les traités d'agronomie qui constituent l'une des principales sources à notre disposition pour connaître le répertoire végétal de ces jardins arabo-andalous. J'ai indiqué quelques titres en bas de cette diapositive. Outre les traités d'agronomie médiévale, nous pouvons nous appuyer sur les vestiges matériels, puisque certains ont été conservés. Ces vestiges nous renseignent sur l'articulation des bâtiments avec le jardin, la connexion du jardin avec l'édifice qui pouvait l'accueillir. Et puis, à ces deux types de sources, il faut ajouter aussi un certain nombre de textes littéraires, en tout cas, qui, s'ils ne nous renseignent pas sur la réalité des jardins arabo-andalous, peuvent nous en apprendre sur la symbolique de ces jardins, de quel sens ils étaient dotés, quelle valeur ils revêtaient pour les habitants de cette région du sud de l'Espagne, sachant que la culture des jardins est vraiment au nombre des traits associés aux populations d'Al-Andalus. C'est vraiment une composante de leur société, de leur mode de vie même. Bien sûr, je précise que nous n'avons plus aucune source de l'époque de la création, notamment des jardins du palais de l'Alhambra. Tout cela a été détruit ou perdu, brûlé au moment de la prise de Grenade par les rois catholiques. Ces traités d'horticulture, ils nous renseignent aussi sur la manière dont étaient plantés ces jardins, dont la manière dont on disposait les végétaux. Et le trait essentiel, c'est que bien souvent dans ces patios, la végétation était encaissée, comme vous le voyez ici sur une image
d'un des patios, d'une des cours jardinées de l'Alcazar de Séville. Les arbres sont plantés à quelques dizaines de centimètres, voire 1 mètre plus bas que le niveau des allées, que le niveau des cheminements. Voilà, on parle de parterres encaissés, de végétation encaissée. Ce qui permet 2 choses. Premièrement, aux promeneurs d'être vraiment un petit peu comme immergés dans la végétation, de se promener avec les mains ou le visage à hauteur des végétaux, à hauteur du parfum des feuilles, à hauteur de la présence des fruits ou des fleurs. Et puis, d'un point de vue technique, pratique, puisqu'on pratique l'arrosage par immersion dans ces régions, ça évite au cheminement, au circuit, d'être inondé et donc d'être glissant. Voilà un extrait du traité d'Ibn Louyoun, agronome sévillan du XIIIe siècle. Le traité d'agriculture. Et dans ce traité, qui est vraiment plutôt agricole, agronomique, le dernier chapitre est consacré au jardin d'agrément. On va retrouver déjà les éléments essentiels, la présence du bassin, des arbres à feuillage persistant, à feuillage vert, qui doivent se voir, qui doivent avoir une couleur, un coloris qui se remarque et qui est présent toute l'année. Un jardin structuré, centré autour d'un élément mobilier qui peut être un pavillon, qui peut être un siège, qui peut être une tonnelle ou une pergola qui va structurer le tracé du jardin. Point de vue des espèces végétales employées, outre les espèces citées dans les traités d'agronomie, nous pouvons nous appuyer sur les analyses de pollen et sur la botanique, l'archéobotanique, qui nous indique les variétés végétales employées dans ces jardins. On va retrouver, sans surprise, des variétés typiques de la Méditerranée, comme l'olivier ou le cyprès, qui est originaire d'Asie mineure, mais qui a été acclimaté, hein, depuis l'époque de l'Empire romain, en Méditerranée. Tous les végétaux importés aussi au Moyen-Âge, les citronniers, les orangers amers, les grenadiers, le laurier, le myrte, des arbustes qui conservent leur feuillage pendant l'hiver. Et puis, au point de vue des fleurs, là encore, les espèces sont choisies en raison de leur qualité chromatique et de leur parfum. Il fallait que ça embaume l'air de parfum. Alors, arrivons maintenant à Grenade. Après cette introduction historique, vous avez une vue de Grenade qu'on doit à un auteur du début du XIXe siècle, Alexandre de Laborde, qui était un voyageur, un historien, un érudit, un archéologue, qui séjourne très longtemps en Espagne et parce qu'il avait comme projet d'écrire un monumental recueil, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, qui comporte 4 tomes, qui sera publié de 1806 à 1820, publication qui va ruiner en partie son auteur. Alexandre de Laborde, c'était le fils du banquier Jean-Joseph de Laborde, qui était le propriétaire du domaine de Méréville, situé actuellement dans l'Essonne. À vous qui vous intéressez au jardin, vous êtes peut-être familier de ce domaine dans lequel le peintre paysagiste Hubert Robert était intervenu. Voilà donc la vue de Grenade d'Alexandre de Laborde. Le site de Grenade se déploie sur une grande plaine, une plaine fertile qu'on appelle la Vega. Et autour de cette plaine s'élèvent 3 collines qui constituent la topographie si particulière de Grenade. La colline du Sacromonte, qui comporte des habitations hein, creusées à flanc de rocher, des habitations troglodytiques, qui étaient traditionnellement le quartier des populations tziganes. Il y avait aussi la colline de l'Albaïcine, avec ses innombrables ruelles aux maisons blanches hein, et aux maisons qui comportent des jardins qu'on appelle des carmen. Et puis la dernière colline, la colline de. Pardon, ça c'était, voilà, juste pour le plaisir, une image du Sacromonte avec ses grottes, extrait d'une illustration qu'on doit au dessinateur Gustave Doré, qui se rend en Espagne pendant plusieurs années
avec son ami, hein, le baron Charles d'Avilliers, qui était passionné d'art aussi, collectionneur de nombreux objets. Et les deux amis vont livrer le récit de leur périple espagnol par envois successifs dans une revue de voyage, Le Tour du Monde. Voilà, tout c'est les numéros de la revue Le Tour du Monde sont numérisés. Vous pouvez trouver ça sur Gallica et vous délecter de ces dessins de Gustave Doré. Voilà, j'évoquais la dernière colline, la colline de l'Alhambra et du Généralife. Vous avez de nouveau une vue d'Alexandre de Labor, donc au tout début du 19e siècle. On retrouve le même point de vue, la même composition, la même organisation du dessin chez Gustave Doré, soixantaine d'années plus tard. Donc, colline de l'Alhambra, je disais, l'Alhambra qui n'est pas simplement un palais, c'est véritablement une ville palatiale, comme la ville de Medinat al-Zahra, qui était la capitale du pouvoir omeyyade au Xe siècle. Et ben, à l'époque des Nasrides, c'est-à-dire au XIVe siècle, dans les années 1350-1390, c'est là que les plus grands travaux ont lieu dans le palais de l'Alhambra. Palais qui n'est pas une création ex nihilo, puisqu'on sait qu'il y avait déjà une forteresse à l'époque du IXe siècle sur cette colline de l'Alhambra. Mais c'est vraiment à l'époque de la dynastie des Nasrides, notamment l'émir Youssouf Ier et son fils Mohamed V, on est au XIVe siècle, ce sont eux deux, les deux plus grands bâtisseurs, qui vont aménager ce qu'on appelle les palais Nasrides, c'est-à-dire le cœur stratégique de la ville. L'Alhambra était une ville. Il y avait à peu près 1200 habitants, c'était beaucoup plus petit que Medinat al-Zahra. Il y avait des palais, des jardins, une mosquée, des bains, des habitations, des ateliers, des commerces. Et puis ensuite, après la conquête du territoire par les rois catholiques, l'empereur Charles Quint, dans les années 1530, a construit ce grand palais Renaissance que vous voyez à droite de la diapositive, ce qui a bien sûr détruit une bonne partie des palais Nasrides, mais miraculeusement, la construction n'a pas amputé les jardins. Ce qui fait que les jardins qu'on peut encore visiter aujourd'hui ont comme caractéristique remarquable d'être parmi les plus anciens jardins d'Europe, puisqu'ils ont été édifiés au XIVe siècle et ils ont toujours été entretenus, ils ont toujours été cultivés et leur emprise au sol n'a pas été modifiée. Vous avez là un plan justement de ce qu'on appelle les palais Nasrides, vous voyez que le palais s'organise autour du jardin, de ces cours jardinées. Vous voyez deux cours jardinées. Elles sont vraiment le cœur stratégique du palais et donc l'architecture vient s'enrouler, s'envelopper autour de la partie jardinée, de la partie à l'air libre. D'ailleurs, vous remarquez que il y a une cour rectangulaire, une autre cour qui est un rectangle un peu plus petit. Si vous tracez des lignes diagonales dans ces deux cours, elles se rejoignent à angle droit, là, avec l'angle, le coude qui permet le passage de l'une à l'autre. Ces cours, elles sont la reprise, hein, bien sûr, d'un modèle du jardin clos qui est d'origine perse, qu'on appelait le Chaarbar, mais qu'on va trouver aussi à l'époque de l'Empire romain, l'atrium romain, hein, la cour intérieure de la maison, puis qu'on va retrouver au Maghreb, sous avec ce mot de riad. En fait, c'est la déclinaison de la même forme. Hein. C'est toujours la même idée d'un jardin intérieur, d'un jardin de petite dimension et d'un jardin assez décoré, assez décoratif. La première de ces cours jardinées que l'on rencontre lorsqu'on pénètre dans le palais de l'Alhambra, c'est la cour des Myrtes, El Patio de los Arayanes en espagnol. Ce qui est intéressant, c'est que, alors même que le mot myrto existe en espagnol pour parler du myrte, mot forgé sur le radical latin myrtus, à Grenade, on continue d'utiliser le mot arabe, arayan, pour parler de ce même végétal qui est vraiment emblématique de l'art du jardin grenadin, de l'art du jardin de l'Alhambra.
Si c'est la végétation qui donne son nom à cette cour. Cour qui est un long rectangle occupé par un bassin en son centre. Le bassin mesure 36 mètres de long, alors que la cour en mesure 38. Et de chaque côté se trouvent deux haies de myrte taillées basses. Le traité d'agronomie d'Ibn Louyoun, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, recommandait de placer le myrte près des pièces d'eau. On sait qu'il y a des orifices de chaque côté du bassin pour permettre d'arroser ces haies de myrte qui étaient taillées, comme le dit un texte ultérieur hein, dans les années 1513, en contexte chrétien. Ce myrte, il était taillé cortado a tijeras, ça veut dire coupé en fait au ciseau. La variété de myrte d'origine et correspond à celle qui a été identifiée par un botaniste flamand de la Renaissance, Charles de Lécluze, qui était botaniste et médecin, le médecin particulier de l'empereur Maximilien II. Il se rend en Espagne en 1575, d'où il rapportera l'équivalent d'une flore espagnole, et publié en 1576. Il consacre le chapitre 33 à la variété du myrte et il va identifier une variété particulière, le Myrtus baetica latifolia domestica, le myrte espagnol, on retrouve la bétique, le myrte espagnol à grande feuille. Il dit qu'il ne l'a rencontré que au jardin de l'Alhambra et dans un monastère près de Séville. Ça, c'était la variété d'origine. C'était un myrte au feuillage vert très prononcé, qui permettait de faire des contrastes chromatiques aussi par rapport à la blancheur des murs du patio. Plus tard, au XVIIIe siècle, cette variété de myrte a été remplacée par du myrte commun, et c'est celui-là qu'on retrouve actuellement. Cette cour des myrtes, elle s'intitule aussi, hein, dans les documents, on trouve un autre nom, un nom qui date du Moyen Âge, qui a été un peu oublié ensuite, et puis ensuite au XXe siècle, ce nom réapparaît, la cour de Comares, El Patio de Comares. Cette fois, ça se réfère à l'architecture, puisque la tour de Comares, que vous voyez là sur cette diapositive, constitue l'un des côtés du rectangle, vient fermer le patio. Cette tour, elle est importante parce que au rez-de-chaussée, hein, là, sous l'arcade que vous devinez, elle comportait la salle du trône, donc vraiment le lieu du pouvoir, le lieu où l'émir recevait ses invités, recevait des émissaires, des ambassadeurs, et donc tout ce personnel politique et diplomatique était invité à patienter le long du bassin de Comares avant de pouvoir obtenir audience auprès de l'émir. Cette tour de Comares, ce palais de Comares, se reflète à la surface du bassin, avec ce jeu de reflet de l'architecture à la surface de l'eau, qui donne l'impression aussi d'une architecture en mouvement, d'une architecture mobile. Si on s'approche sur les murs de ce palais, on va trouver une décoration très raffinée. La plupart du temps, c'est du stuc, hein, c'est-à-dire du plâtre. Cette décoration n'est pas conçue en marbre. Et alors voilà, des matériaux simples, des matériaux humbles, mais un registre décoratif très élaboré, très complexe, avec ces lignes géométriques qui se croisent à l'infini, ces réseaux de palmettes, de rinceaux, de fleurons, toute une décoration végétale en fait. Il y a l'idée de représenter, dans la décoration, sur les murs, de représenter un jardin. C'est l'image du jardin de vie, motif qui existe déjà en contexte pré-islamique, motif, un programme décoratif très très fréquent au contexte pré-islamique, que ensuite hein, les dynasties arabo-musulmanes vont reprendre cette décoration. Ce motif du jardin de vie ou de l'arbre de vie qui va orner les murs du palais. Alors là, je vous montre finalement la plus ancienne représentation que l'on possède de cette cour des myrtes. Bien sûr, elle n'est pas d'époque médiévale, ni de contexte arabe. Elle est plus tardive, hein, à l'époque moderne. On la doit à un dessinateur, Louis Meunier,
Et cette image a été publiée hein, par l'éditeur Jacques Van Merle en 1668, et elle va être longtemps la seule image à notre disposition pour connaître ce patio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les deux haies de myrte taillées et le bassin central. Et la légende indique qu'il s'agit de l'étang royal dans le palais des rois africains. Bien que les personnages hein, soient plutôt vêtus à la mode, peut-être des courtisans de Versailles. Un voyageur français qui s'appelle François Berthaud, qui était membre du Parlement de Rouen, fait le voyage d'Espagne au milieu du XVIIe siècle, à une époque où très peu de voyageurs dépassent Madrid, en fait. Lui, il descend jusqu'en Andalousie et il va se rendre dans cette cour des myrtes et il nous décrit exactement la même chose, le marbre blanc au sol, le bassin central, les murailles de myrtes. De chaque côté. Donc quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement rationnel et géométrique. Quelque temps après le voyage hein, de Berthaud, l'Espagne musulmane, l'Espagne médiévale et musulmane, devient aussi à la mode dans les arts, dans la littérature en France, et elle inspirera le thème d'un spectacle équestre. Ce qu'on a appelé des carrousels, et l'un des premiers carrousels donnés à Versailles s'intitule Les guerres civiles de Grenade ou le carrousel des galants morts. Nous sommes les 4 et 5 juin 1685. Ce spectacle équestre a lieu derrière les grandes écuries de Versailles et le dauphin dirige d'ailleurs un quadrille. Et vous avez ici la représentation d'un des costumes que portaient ces cavaliers pour ce spectacle équestre. Mais c'est véritablement tout au long du XIXe siècle que ces jardins de l'Alhambra vont voir défiler le plus grand nombre de voyageurs, de visiteurs, d'écrivains, d'artistes qui vont être fascinés par ces cours jardinées. C'est le cas par exemple d'Alexandre de Laborde, dont je vous parlais en introduction. Il dessine cette image de la cour des Myrtes. Sauf que vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à l'image précédente que je vous ai montrée, ni même à l'état actuel dont témoignent les photographies récentes. Voilà, c'est comme s'il avait supprimé ces haies de myrte taillées de chaque côté du bassin pour les remplacer par une végétation complètement exubérante, désordonnée, une nature livrée à elle-même. Alors même que on a des images de la même époque qui nous montrent les deux bordures de myrte taillées. Mais ça ne devait pas lui sembler assez exubérant, assez sauvage, assez oriental. Ça ne correspondait pas à ce qu'il imaginait être un jardin arabe. Donc il a fait disparaître finalement, par son crayon, ces deux haies de myrte taillées. Il a aussi fait disparaître le nom même de la cour, puisque son dessin ne s'intitule ni la cour des Myrtes, ni la cour de Comarès, mais la cour des Bains. Vous voyez la légende en dessous de l'image, El Patio de los Baños, en la entrada de la Alhambra. Et d'ailleurs, il installe une baigneuse nue au bord du bassin pour rendre cette atmosphère de sensualité, d'exotisme, de plaisir des sens. Bien sûr, voilà, ici nous avons un parfait résumé de l'orientalisme appliqué au jardin. Voilà Alexandre de Laborde, sur ce dessin, il est âgé de 40 ans. Et voilà la première page de son entreprise éditoriale monumentale, Le voyage pittoresque et historique de l'Espagne. En 4 tomes, c'est le tome numéro 2 qui est entièrement consacré à l'Andalousie. Et l'Andalousie contemporaine de Laborde n'y figure pas. Tout est consacré à l'Andalousie médiévale. Alors voilà, je parlais de l'orientalisme appliqué au jardin. Et bien, quelques années plus tard, 1843, Edgar Quinet se rend en Espagne et là aussi, il est complètement
dépaysés, et ils se laissent porter par la féerie du palais de l'Alhambra. Et voilà qu'il pénètre à son tour, non pas dans la cour de Comarès, mais comme il l'écrit à la ligne 2, dans la cour des Arroyales, au milieu de la féerie du palais des rois morts. Voilà, il est comme plongé dans une atmosphère des mille et une nuits. Et ces jardins de l'Alhambra vont inspirer énormément d'artistes, de voyageurs. Je parle ici des Français, mais les Anglais, les Américains, Washington Irving et ses contes de l'Alhambra, les Anglais Richard Ford, David Roberts, toujours dans les années 1830, se rendent aussi à Grenade. Le temps passe, le siècle avance, et là nous sommes à la fin du 19e siècle. Je vous montre ce tableau du peintre Benjamin Constant, qui avait également fait le voyage d'Espagne. Il avait parcouru l'Espagne en 1871. Il allait à Madrid, bien sûr, voir les chefs-d'œuvre de l'art espagnol au Prado, puis à Tolède, mais il descend vers le sud aussi, jusqu'à Cordoue et Grenade. Et on voit là sur ce tableau qu'il s'est inspiré de cette cour des Myrtes qu'on devine au fond de ce tableau. Et alors que le premier plan se situe à l'intérieur de cette tour de Comarès, ce lieu du pouvoir, hein, où se trouvait la salle du trône. Alors si on quitte la cour des Myrtes et fait un angle droit, qu'on se déplace à angle droit, on parvient dans la deuxième cour du palais de l'Alhambra, donc avec ce dispositif de cours successives. D'abord une cour d'audience, si j'ose dire, une cour publique presque, et puis ensuite une cour privée, un jardin privé destiné plutôt à la famille du souverain. Donc cette deuxième cour, celle que vous connaissez tous, l'image peut-être qui s'impose à nous quand on pense au jardin de l'Alhambra, c'est la célèbre cour des lions, qui doit son nom, elle non plus à la végétation, mais aux éléments mobiliers qui la composent. Ce sont ces 12 lions qui trônent au centre de la cour et qui vont supporter une fontaine en marbre. Alors actuellement, il n'y a plus qu'une seule vasque, mais à l'origine, on sait qu'il y avait deux vasques. Cette fontaine des lions se trouve au centre de la cour et elle va organiser concrètement l'espace, puisque l'eau qui jaillit du centre de la cour se répand dans quatre rigoles orientées dans la direction des quatre points cardinaux, qui vont donc structurer l'espace du jardin et le diviser en quatre. On peut retrouver un héritage du Chaarbar perse, du jardin en quatre parties. Cette circulation de l'eau se prolonge jusqu'à l'intérieur de chacune des pièces qui entourent la cour des lions. Il y a quatre pièces, hein, une autour de chaque côté de la cour. Deux de ces pièces comportent des fontaines, comme ici, la salle des Dos Hermanas, qu'on appelle la salle des deux sœurs, et deux autres pièces hébergent juste un bassin qui circulaire qui est au sol de la pièce. Et donc, ce qui permet d'avoir une circulation de l'eau en continu, ce qui permet de rafraîchir l'atmosphère et que, voilà, même en plein été, vous avez toujours une température agréable dans cette cour des lions. L'autre élément caractéristique, hein, de la cour, c'est bien sûr ces nombreuses colonnes qui l'entourent. Il y a 124 colonnes, souvent des colonnes jumelées. C'est assez original, ça aussi, en contexte musulman, ça donne presque à la cour une impression de cloître. La seule période où nous soyons à peu près certains qu'il y ait eu un jardin dans cette cour, ce sont les années 1808 à 1846 à peu près. La première moitié du 19e siècle qui correspond aussi à la grande vogue du voyage en Espagne. Bien sûr, au fil du 19e siècle, les destinations privilégiées
des voyages pittoresques et artistiques, hein, se déplacent de l'Italie et la Grèce vers l'Espagne, qui devient le nouveau pôle d'attraction des artistes romantiques. Ce qui explique qu'on nous possédions beaucoup de représentations de ce jardin qui avait été planté, cette cour qui avait été plantée à cette époque-là. Mais ce n'est pas du tout une disposition médiévale. Voilà, vous avez par exemple une reproduction de ce jardin dans une lithographie en couleur qui accompagne l'ouvrage que consacre le baron Taylor, ce grand amateur d'art, ce grand protecteur des arts et du patrimoine, qui avait été administrateur de la Comédie française. Il était d'une famille d'origine irlandaise, mais il vivait en France, et il fait lui aussi le voyage d'Espagne. Et dans la lithographie qu'on doit à Asselineau, qui accompagne sa publication, on remarque le jardin, on remarque aussi, si vous voyez au fond, ce que je disais tout à l'heure, la deuxième vasque de la fontaine et même un petit édicule qui la surmonte, ce qui fait qu'il y a un grand jet d'eau qui jaillit et qui retombe dans les deux vasques successives. Cette eau, elle est célébrée dans les poèmes qui ornent la fontaine, qu'il s'agisse de la fontaine, des colonnes, des murs, du jardin, toutes ces surfaces sont recouvertes de poésie épigraphique et qui mettent en scène le jardin, les parties du jardin qui se répondent les unes aux autres, qui rivalisent de beauté, qui rivalisent de raffinement. Et donc là, les poèmes de la Fontaine des Lions qu'on voit à Ibn Zamrak, 14e siècle, assimilent cette eau qui est précieuse au pouvoir du calife. Et donc vraiment la première symbolique de l'eau dans ces jardins arabo-andalous, c'est le symbole du pouvoir, le symbole de la puissance. Celui qui possède l'eau possède le pouvoir. Et ensuite, symbole de la générosité, puisque le calife partage son pouvoir et va étancher la soif de son peuple. Voilà un texte plus tardif qui nous renseigne sur le bruit, la qualité vraiment sonore et démonstrative de l'eau qui jaillissait de la fontaine des Lions et qui se répandait aussi dans les deux vasques successives, comme vous le voyez ici sur cette gravure du Britannique David Roberts. Donc vraiment la décennie 1830, c'est la décennie où on possède le plus de représentations de ce jardin de la cour des Lions. Cette deuxième vasque de marbre, rassurez-vous, elle existe encore, elle n'a pas été détruite, elle est seulement remisée dans les réserves du palais de l'Alhambra. Peut-être qu'un jour, on décidera de la remettre en place. Voilà, toujours cette fontaine à double vasque, toujours la présence du jardin, dans une lithographie d'un artiste français qui était originaire du plateau de Langres. Il a fondé le musée archéologique de Langres. Il était passionné de voyage, passionné de dessin, passionné de photographie aussi. On lui doit parmi les plus anciens daguerréotypes. Je veux parler de Joseph Philibert Giraud de Pranget, qui voyage en Espagne en 1836 et qui publiera ses souvenirs de Grenade et de l'Alhambra. Il fera plusieurs voyages en Espagne, il y retournera 5 ans plus tard. Et on retrouve l'ami Gustave Doré, voilà, avec cette magnifique fontaine toujours à deux vasques, et puis avec des pans, avec cette décoration très très raffinée. Ce patio, il a énormément changé au fil des siècles, à la différence de la cour des Myrtes, qui est restée un peu égale et identique à elle-même. La cour des Lions, elle a connu beaucoup de dispositions, en tout cas au point de vue du sol, successives au XXe siècle, lors d'un congrès de l'ICOMOS, c'est-à-dire le Conseil international des monuments et des sites qui se réunit à Grenade. Et ben le conservateur de l'Alhambra de l'époque, voilà, décide de faire planter cette cour avec des fleurs et des aromatiques. C'est une installation éphémère qui sera supprimée quelques années plus tard. Et puis à droite, vous avez une photo de l'état actuel de la cour. On est revenu à une évocation de ce que pouvait être l'état au Moyen-Âge avec ses grandes dalles de marbre. Je parlais de la poésie épigraphique tout à l'heure. Vous en avez des exemples ici, sur ces bandeaux horizontaux et verticaux en caractère koufique, des poèmes qui célèbrent la beauté du jardin.
Et puis cette décoration très très précieuse, ces petites alvéoles comme ça qu'on appelle des moukarnas. C'est toute cette magie de l'architecture, cette finesse de la décoration qui ont inspiré les écrivains romantiques. Vous connaissez bien sûr Victor Hugo. Voici un passage de ses Orientales dédiées à Grenade et au palais de l'Alhambra. Point de vue de la décoration, toujours, on peut mentionner les azulejos, ces carreaux de faïence cuits et colorés. Souvent, les azulejos occupent le registre bas de la décoration, alors que le registre haut se compose de ces motifs de stuc ajourés et entrecroisés. Là aussi, l'azulejos, ça peut nous rappeler ce que je disais tout à l'heure sur le motif de l'arbre de vie. Il y a l'idée de styliser, de schématiser un jardin avec, par exemple, si vous regardez dans le registre supérieur, là, les motifs géométriques vert foncé peuvent rappeler les myrtes et puis l'arrière-plan blanc peut rappeler le mur du patio. Donc ce serait un jardin stylisé, simplifié. Il est maintenant temps de quitter l'Alhambra pour aller déambuler dans les allées du jardin du Généralife, qui se trouve juste en face du palais de l'Alhambra, sur une colline qui à l'origine n'était pas jardinée. En fait, c'est la création de l'acequia real, du canal royal en 1238, par le fondateur de la dynastie Nasride, qui permet d'acheminer l'eau jusqu'à l'entrée de l'Alhambra et du Généralife. Du coup, de terrasser et de mettre en culture ces terrains, les terrains que vous avez sur la diapositive. Et petit à petit, au milieu de ces terrains cultivés, a été construit un palais dont il reste une galerie, un belvédère et des jardins de plaisance, qui se trouvent donc en face de l'Alhambra avec des jeux de miroirs, de vues d'une colline à l'autre. Vous avez là la galerie belvédère du jardin du Généralife, de laquelle on a une vue sur l'Alhambra, et inversement, cette photo est prise depuis l'une des terrasses de l'Alhambra. Ce jardin du Généralife qui a aussi inspiré les musiciens au début du 20e siècle. Je vous fais écouter là un extrait des Nuits dans les jardins d'Espagne. Cette œuvre de Manuel de Falla, hein, qui comporte trois mouvements, et le deuxième mouvement s'intitule le En el Generalife, dans le Generalife. Ce généralif qui veut dire étymologiquement Yanat al-Arif, le jardin de l'architecte, jardin en terrasse. Donc vous avez un plan ici qui a été tracé par l'architecte paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier en 1911, publié dans la Gazette illustrée des amateurs de jardins. Vous voyez quatre terrasses successives qui comportent chacune un patio, une cour jardinée. Et plus on s'élève sur la colline, plus l'espace dévolu au jardin se diminue, mais plus l'espace offert à la vue s'agrandit, s'élargit. Et de là-haut, on a une vue imprenable sur la ville de Grenade et au-delà sur la plaine, la Vega grenadine, comme vous pouvez le remarquer sur cette diapositive qui nous montre la première cour jardinée du jardin du Généralife, El Patio de la Acequia. La cour du canal, le mot espagnol acequia, est en fait une translation d'un terme arabe, mais qui aurait été mal prononcé en espagnol. Le terme arabe, c'est as-sakia, qui veut dire ce qui sert à arroser, ce qui sert à arroser. Un vocable d'origine agricole, hein, ça désigne les canaux d'irrigation dans les champs, et ici, ça renvoie au canal central qui va diviser l'espace du jardin en deux. Sachant que ce canal est lui-même traversé par un tremplin latéral qui donne une division quadripartite à ce jardin, avec quatre parterres encaissés. Les fouilles archéologiques menées au XXe siècle ont révélé que la végétation était à peu près à une quarantaine de centimètres en dessous du niveau des allées.
La caractéristique aussi principale de ce jardin, ce sont les jets d'eau croisés de chaque côté du canal central. Nous avons tout lieu de penser qu'ils sont d'origine arabe. En tout cas, ces jets d'eau ont aussi fasciné les voyageurs, dès les premiers voyageurs qui se rendent à Grenade à l'époque moderne. Autre élément important, c'est cette longue galerie percée de jour, percée d'ouverture, qui ménage, je le disais, la vue sur l'extérieur, à la fois sur la ville de Grenade et sur le palais de l'Alhambra. C'est intéressant parce que ça nous renseigne aussi sur la nature double de ce jardin arabe, arabo-musulman, qui est bien sûr un jardin clos, un jardin fermé, protégé des regards, mais avec toujours une ouverture, si ce n'est une ouverture physique, concrète, une ouverture visuelle sur le paysage extérieur. Il y a des jeux de renvoi entre le jardin et le paysage à l'extérieur. Et donc le jardin arabe n'est pas un jardin de réclusion, d'enfermement, encore moins de prière. C'est vraiment un jardin, un lieu d'où on peut contempler le paysage. Que ce soit au travers de cette galerie ou, comme vous le distinguez au fond de la diapo, depuis ce belvédère situé au nord de ce patio. Belvédère qui occupe le pavillon nord. Il y a un pavillon de chaque côté de ce jardin rectangulaire. Nous retrouvons ce belvédère du côté nord sur ce dessin de toujours l'artiste de Langres, Joseph-Philibert Giraud de Prangey, hein, dans ses Souvenirs de Grenade et de l'Alhambra, publié en 1836. Alors nous ne voyons pas les jets d'eau croisés sur cette image, mais nous voyons des arcs de cyprès taillés, ce qu'on appelle en art des jardins des taupières, taupières de cyprès taillées qui sont de chaque côté du canal. On va les retrouver sur toute l'iconographie tout au long du XIXe siècle, jusque dans les années 1880 où ces taupières vont être éliminées. On retrouve la taupière ici, un petit peu mal en point, au premier plan de cette peinture hein, du peintre britannique Frederick Leighton, qui était membre de la Royal Academy of Art, puis président même de cette académie. Grand voyageur, il a voyagé en Italie, en Grèce, au Moyen-Orient. Il fait de nombreux séjours en Espagne dans les années 60, 1865, 66, 67. Et ce tableau, il est intéressant parce qu'en fait, c'est la deuxième représentation en couleur que nous possédions de ce jardin de la Acequia. Voilà, plus tard, avec, si ce n'est la photographie, du moins les autochromes, hein, ces plaques de verre sur lesquelles venait se fixer une image en couleur, autochromes qui sont conservés au musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, hein, qui faisait partie de Auguste Léon, était un des membres de cette mission hein, qu'on a appelée les Archives de la planète, mandatée par Albert Kahn pour aller répertorier, cataloguer toutes les richesses monumentales, artistiques, culturelles, ethnologiques, aux quatre coins du monde. Et voilà, il y a une belle collection aussi consacrée à l'Alhambra, qui date d'une campagne photographique qui a eu lieu à l'été 1914. Juin-juillet 1914, ces documents sont numérisés aussi, accessibles sur le site internet du musée Albert Kahn. Vous avez le plus grand document là à gauche, pris toujours depuis le pavillon nord, et puis l'autre pris de l'autre côté. On retrouve les quatre parterres que j'ai évoquées avec une végétation beaucoup plus dense, beaucoup plus touffue qu'actuellement. Il y avait des rosiers, il y avait des lauriers, des myrtes, de la lavande, des plantes aromatiques. De nouveau ces jets d'eau avec une fontaine qui vient terminer la perspective du canal à chaque bout du jardin. Si l'on sort de cette cour jardinée, toujours par le pavillon nord, nous empruntons un escalier, donc là ce serait à gauche sur la diapositive, pour accéder à une autre cour de plus petite dimension qui possède un bassin en forme de U, comme vous le voyez sur l'image. Toujours des jets d'eau qui animent ce bassin en forme de U. On va retrouver une végétation de rosiers, de lauriers, de myrtes taillées. Et puis un grand arbre là, vous voyez, dont il ne reste plus que le tronc, qu'on a dû soutenir grâce à un étai en métal pour le maintenir contre le mur. Et pourtant, ce vieil arbre, il est certainement vénérable, il est presque devenu légendaire, puisqu'il donne son nom à ce jardin, jardin qui s'appelle la cour du cyprès de la sultane. Donc voilà ce cyprès vu d'un peu plus près. Et si on se rapproche, nous pouvons lire une plaque où il est indiqué. Je traduis en français. La légende raconte que ce cyprès de la sultane a été le témoin
des amours d'un chevalier Abencérrage et de l'épouse de Boabdil. Alors là, on est en plein dans la légende des jardins de l'Alhambra. Boabdil, vous vous en souvenez peut-être, c'était ce dernier souverain nasride de Grenade, celui qui est contraint à l'exil et contraint à rendre les clés de la ville au roi catholique. Et il se serait retourné comme ça et il aurait jeté un dernier regard sur cette ville qui venait de perdre, ce qui a donné lieu dans la littérature et l'iconographie à l'épisode du soupir du mort, qui a inspiré aussi de nombreux poètes, de nombreux écrivains, comme par exemple ici Théophile Gautier. Ça, c'est pour Boabdil. Ensuite, le cavalier Abencérrage, peut-être ça vous rappelle le titre d'une nouvelle de François-René de Chateaubriand, Le dernier des Abencérrages. Nouvelle que Chateaubriand publie en 1826, bien qu'elle ait été écrite 15 ans plus tôt, hein, dès 1810. Chateaubriand écrit cette nouvelle alors qu'il séjourne dans sa résidence proche de Paris, la Vallée aux Loups, et il venait de rentrer de son long voyage en Terre Sainte, hein, l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Il avait terminé cet itinéraire en séjournant très brièvement en Espagne, finalement, un grand mois, hein, du 30 mars au 3 mai 1807. D'ailleurs, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, il reste très laconique sur l'Alhambra. Je crois qu'il écrit simplement: L'Alhambra me parut digne d'être regardée, même après les temples de la Grèce. Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il n'est pas beaucoup plus prolixe, mais finalement, il va se rattraper en 1826 dans sa nouvelle Les aventures du dernier Abencérrage, une nouvelle qui a pour cadre l'Espagne médiévale, juste après la reconquête du territoire par les rois catholiques, une nouvelle qui met en scène les amours impossibles entre un chevalier Abencérrage, Aben Hamet, qui est l'ultime descendant de la tribu des Abencérrages, et une jeune femme chrétienne, Blanca, qui elle descend de la famille du Cid. Il y a de nombreuses scènes de la nouvelle qui se passent dans le palais de l'Alhambra et singulièrement dans le jardin du Généralife. Et à partir de là, va être échafaudée toute une légende autour de ce jardin du cyprès de la Sultane, qui aurait été le lieu de rendez-vous galant entre la dernière épouse de Boabdil et le chevalier Abencérrage. Ceci dit, les Abencérrages ont réellement existé. Ils se réfèrent à une famille aristocrate de Grenade qui existait, de même que leurs ennemis jurés, les Aigris. Ce sont des personnages dont l'existence est attestée, qu'on va retrouver assez vite dans les chroniques, dans les romances espagnoles, qui sont écrites dès le XVIe siècle. Et notamment, on retrouve ces personnages dans l'histoire des guerres de Grenade. Donc je vous ai inscrit le titre complet sur la diapositive. Ouvrage de l'historien andalou Rines Pérez de Hita, qui non seulement était historien, écrivain, mais qui avait aussi participé, puisqu'il était engagé dans la guerre des Alpujarras, c'est-à-dire le conflit situé dans les montagnes près de Grenade, qui a opposé les troupes des rois catholiques aux Morisques, les Morisques étant les musulmans convertis de force au catholicisme. Cette guerre des Alpujarras, elle se déroule dans les années 1570. Donc il y a un soubassement historique, véridique, et puis après il y a la légende. Légende qu'on retrouve aussi dans le nom d'une des salles qui entoure la cour des lions, la salle des Abencérrages, salle où a eu lieu le massacre des Abencérrages. En signe de représailles, le sultan aurait été jaloux du chevalier Abencérrage qui avait séduit sa femme et donc il aurait massacré toute la famille dans cette salle des Abencérrages. Et bien sûr, comme souvent dans ces cas-là, il y a un survivant qui parvient à s'enfuir et à trouver refuge au Maghreb. Et la nouvelle de Chateaubriand narre les aventures du descendant de ce survivant du massacre des Abencérages. Bien sûr, là, on est dans la plus pure légende. Si nous revenons à la réalité, on peut voir dans le récit de cet amour entre Aben Hamet et Blanca, donc les deux héros de la nouvelle de Chateaubriand, on peut y voir une transposition de sa propre relation avec sa maîtresse du moment, qui était Nathalie de Noailles, dont vous avez le portrait ici, portrait où elle pose à Méréville, puisque Nathalie de Noailles était la fille du propriétaire de Méréville, en banlieue parisienne, ce grand parc dans lequel Hubert Robert avait officié. Donc Jean-Joseph de Laborde, qui était banquier de son état, père de Nathalie de Noailles et père aussi
d'Alexandre de la Borde, puisque Nathalie de Noailles est la sœur d'Alexandre de la Borde. Et donc elle se trouvait justement dans les années 1806-1807, elle se trouvait en Andalousie avec son frère, puisqu'elle venait l'aider à faire des relevés, à faire des dessins, des monuments d'Espagne, pour aider son frère dans son entreprise de publication de son vaste voyage pittoresque et historique de l'Espagne, dont je vous ai parlé au début de cette conférence. Voilà un très bon. Elle dessinait très bien, Nathalie de Noailles. Voilà un des dessins que j'ai pu trouver. Voilà, ce qui s'intitule l'Alhambra de Grenade, alors qu'on dirait plutôt une vue extérieure du Généralife. Et donc, comme elle était là, à ce moment-là, à Grenade, elle avait fixé rendez-vous à Châteaubriant. Et c'est pour ça qu'il fait le passage, qu'il s'arrête à Grenade au retour de son voyage à Jérusalem. Il revient par l'Égypte, l'Afrique du Nord, il traverse le détroit de Gibraltar, il file droit sur Grenade avant de rentrer en France. Alors là, Chateaubriand, avec l'Abencérage, qui a tout de suite eu beaucoup de succès, hein, dès après sa publication en 1826, il a ouvert la voie, il a ouvert l'imagination à tous ses successeurs en littérature. Je vous ai mis ici quelques extraits de nombreux récits de voyage tout au long du XIXe siècle qui ne peuvent se passer finalement d'une mention des aventures, des mésaventures plutôt, de cette sultane au moment de visiter le jardin du Généralife et singulièrement la cour du cyprès de la sultane. Vous voyez qu'en fonction des auteurs, la sultane s'appelle indifféremment Zoréide, Zoraya, Alfaïma, alors que la dernière épouse de Boabdil s'appelait Moraïma. Cette nouvelle de Chateaubriand, elle a eu un grand succès, je le disais. Elle a aussi connu des éditions illustrées. Parmi toutes celles-ci, j'en ai retenu une publiée en 1930. Ce sont des illustrations qu'on doit au dessinateur, graveur François-Louis Schmitt. Elles reflètent aussi la tendance orientaliste et art déco avec des lignes assez appuyées, ces couleurs vives, étincelantes. Voilà, si ce thème vous intéresse, vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la maison de Chateaubriand, l'exposition virtuelle qui a été consacrée aux différentes illustrations des aventures du dernier Abencérage, exposition qui s'est tenue à l'automne 2020, hiver 2021. Et puis si on avance dans le temps, un autre créateur qui a pu être inspiré par ces cyprès, c'est le créateur de jardin Ferdinand Bach. Nous sommes au début du XXe siècle, il a construit de nombreux jardins dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, et au jardin des Colombières, qui se trouve à Menton. Voilà, il dessine cette allée de cyprès monumentale, majestueuse, qui aboutit jusqu'au bassin espagnol. On peut y voir une réminiscence de ce bassin de la sultane et de ce cyprès de la sultane. Voilà le bassin espagnol. Et vous voyez que les cyprès se sont considérablement étoffés depuis la date de création de ce jardin. Si nous quittons le patio du cyprès de la sultane, nous empruntons quelques marches, nous arrivons à des petits jardins géométriques, aux compartiments géométriques comme ça, qui est là c'est une création plus contemporaine, c'était une façon de jardiner l'espace pour rendre plus agréable la promenade aux visiteurs, mais au Moyen-Âge, cette partie n'était pas aménagée en jardin. Enfin, la dernière partie, peut-être la plus originale, la plus impressionnante aussi de ce jardin du Généralife, c'est un gigantesque escalier d'eau, un escalier en pierre, dont les deux rampes sont en fait des rigoles dans lesquelles vont circuler en continu de l'eau. Et cet escalier, il est recouvert d'une voûte végétale, de noisetiers et de lauriers, ce qui fait là aussi une bulle de fraîcheur, une bulle de verdure tout en haut de ces jardins du Généralife. Escalier d'eau qui lui aussi a pu inspirer certains créateurs. Ici, je le mets en miroir avec un dessin que j'ai trouvé dans le recueil de Jean-Claude Nicolas Forestier, publié en 1920. Ces jardins carnés de plans et de dessins qui sont un peu un recueil de modèles. Et voilà, avec cet escalier très contemporain, très moderniste, avec deux rigoles d'eau de chaque côté. Ça peut être aussi une interprétation de ces jardins arabo-andalous, dont on le sait qu'ils ont beaucoup inspiré Forestier, à la fois dans ses créations originales et en même temps dans son travail de restauration. Il a fouillé, il a restauré plusieurs jardins en Andalousie, je pense au jardin de la ville de Ronda. Forestier, on lui commande aussi un grand parc, enfin il est associé
au projet de création d'un grand parc public dans la ville de Séville, le parc Maria Luisa, où se tiendra l'exposition ibéro-américaine en 1929. Puis il travaille aussi pour des particuliers, hein, en France notamment, mais dans de nombreux pays, comme ici dans la ville de Béziers, le jardin qu'il construit pour son ami Joseph Guy. On va retrouver l'usage des bassins géométriques et puis l'usage des azulejos pour recouvrir un certain nombre d'éléments bâtis du jardin. Forestier, bien sûr, lui, il connaissait bien ses jardins, il avait une approche scientifique, il était ingénieur de formation et il a longtemps dirigé le service des promenades et plantations de Paris et il a consacré de nombreux articles à ses jardins d'Andalousie. Et voilà, du coup, lui, au moment de décrire la cour du cyprès de la sultane, il élimine toutes les références littéraires, toutes les références orientalistes pour donner une description des plus objectives. Il indique, c'est au milieu du texte qui est sur la droite, « Autrefois, cette cour était probablement entourée d'une paroi verte de cyprès. » Voilà, il est très prudent et on peut penser que là, c'est le petit peu la fin de la légende de l'Alhambra, mais c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque pour ces jardins, puisque à l'ère des fantaisies romantiques va succéder l'ère des restaurations historiques et scientifiques. Et Forestier est vraiment le premier à porter sur les jardins qu'il voit en Andalousie un regard historique. Il essaye de les inscrire dans une histoire des styles et il est le premier à avoir clairement conscience que les jardins actuels ne sont pas l'exact équivalent des jardins du passé, mais qu'ils ont subi le passage du temps et donc il y a forcément eu des transformations. Voilà, pour finir, deux mots de bibliographie. Les meilleurs connaisseurs de ces jardins de l'Alhambra actuellement sont deux botanistes de l'université de Grenade, Manuel Casares Porcel et José Pitorro, dont j'indique l'ouvrage consacré aux jardins d'Andalousie et à leur héritage. Il est à gauche sur la diapositive. Et puis l'historienne de l'art américaine aussi qui a beaucoup travaillé sur ces palais de l'Espagne musulmane. Voilà, je vous remercie de votre attention.